Le président du Burkina reçoit en audience des représentants du système des Nations Unies et du Fonds monétaire international ce lundi 25 janvier au palais présidentiel de Kossia. Ils sont venus féliciter le président Roch-Marc Christian Kabore pour son élection et lui présenter leurs condoléances pour les attentats du Capitino et de l'hôtel Splendide. Venus d'une part présenter nos félicitations au président du Faso pour son élection, pour la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement. Nous sommes aussi venus, suite à la cérémonie aux hommages des victimes des attentats, venus présenter nos condoléances aux familles ainsi qu'au peuple burkinabé à travers son Excellence, le président du Faso. Le système des Nations Unies et le Fonds monétaire international ont aussi réitéré leur disponibilité pour accompagner le gouvernement dans sa tâche du développement économique et social. Et donc nous sommes disponibles, l'ensemble du système des Nations Unies et le Fonds monétaire international, pour travailler d'arrache-pied et travailler dans tous les domaines du développement économique et du développement social. Une disponibilité qui témoigne de l'attachement au Burkina. Le président du Faso a reçu en fin de matinée une délégation des partis membres de l'Internationale socialiste de l'Afrique de l'Ouest. La délégation dit être venue apporter le soutien des socialistes au peuple burkinabé et au président Kabore suite à la barbarie que le pays a connue le 15 janvier dernier. Nous avons suivi de près les événements qui se sont produits à l'hôtel Splendide. Ces événements nous ont beaucoup attristés et nous avons fait le déplacement pour apporter notre soutien au président Kabore, au peuple burkinabé, au MPP. Nous voudrions dire que nous n'attendions pas un tel événement en ce moment parce que le 29 décembre dernier, nous avons fait une fête. C'est la fête de l'ère du renouveau du Burkina Faso, pour que la démocratie, le développement soit une réalité ici, que la solidarité soit une réalité ici. Dans tous les cas, nos compassions vont à l'endroit de tout le peuple. Nous savons que vous avez le courage nécessaire pour continuer le travail ici au Burkina Faso. En tout cas, nous avons vu le président qui nous a expliqué un peu ce qui s'est passé. Nous avons compris et bientôt, nous prendrons des initiatives régionales dans le cadre de ce terrorisme qui se réalise partout et à tout moment. À la suite des socialistes, c'est au tour de la Convention des organisations démocratiques pour la surveillance et l'observation des élections d'être reçue par le locataire de Kossiam. Félicitations et encouragements du président du Faso étaient les maîtres mots. 2014, 2015, 2016, nous avons traversé des événements spéciaux. Il y a eu la transition, il y a eu tout ce qui a été fait dans ce cadre pour le retour à l'état de droit, les réformes qui ont abouti aux élections couplées présidentielles, législatives également. Et ça a été vraiment une leçon donnée non seulement au niveau de notre pays, qui s'est toujours cherché depuis les années 60, au niveau du continent africain. Et la société civile a joué un rôle essentiel dans ces cadres-là. C'est pourquoi nos interfaces, au niveau de la CODEL, dont Diakonia nous a accompagnés ce matin, et les membres ont tenu à venir féliciter le président du Faso pour sa brillante élection. Deuxièmement, nous avons... Comme nous avons vécu ces élections, nous avons suivi également l'attentat terroriste du 15 janvier. Avant ça, la tentative de coup d'État de septembre, qui a grévé un peu les élections avant qu'elles ne partent. C'était l'occasion de dire au président du Faso que la société civile a suivi tout cela, se sent concernée, est impliqué et est disponible.
et attendu son message, ses différents messages de résistance et d'espoir, et a apprécié la réaction du gouvernement face à ces différents gouvernements. Nous avons dit au président du Faso que chez nous, rien ne se fait de grand sans peine ni difficulté. Et c'est cette situation qui renforce et révigore les populations pour qu'ils relèvent les défis qui se profilent à leur horizon. Et c'est ce qui est en train de se faire. La CODEL a saisi l'occasion pour présenter au président du Faso sa nouvelle plateforme qu'elle appelle Présimètre. Nous allons suivre le programme du chef de l'État au niveau de son gouvernement, au niveau de ses institutions, sans interférer négativement, parce que nous rappelons que nous sommes une ONG, des ONG contre le pouvoir et non pas contre le pouvoir, et permettre une éducation toujours des populations, comme nous l'avons fait au niveau de l'éducation électorale, pour qu'effectivement les opinions soient relativisées, pour que nous puissions nous tourner résolument vers les questions de développement et de construction démocratique de notre pays, parce que, et puis travailler à la paix et à la tranquillité, à la sérénité, parce que sans ces données-là, le développement n'est pas possible. Tous ont marqué leur solidarité à l'endroit du peuple burkinabé pour qui il n'y a l'ombre d'aucun doute à les ressources nécessaires pour venir à bout du terrorisme et bâtir une nation forte où il fait bon vivre. Le vendredi 15 janvier 2016, autour de 19h30, un commando de 3 jeunes individus de sexe masculin parvenus à hauteur de l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou a pris d'assaut le café-restaurant dénommé Cappuccino. Armés de fusils automatiques d'assaut de type AKS, munis de grenades défensives et de combustibles dont la nature reste à déterminer, les 3 assaillants ont ouvert le feu sur les clients du café-restaurant Cappuccino, causant la mort de 29 personnes au total. Provoqué des explosions à la grenade et mis le feu au restaurant ainsi qu'aux véhicules stationnés à l'extérieur. Les 3 assaillants ont ensuite occupé l'hôtel Splendide, d'où ils ont poursuivi leur acte de terreur en ôtant la vie à un citoyen, blessé par balle des clients de l'hôtel, incendier des véhicules supplémentaires, causer des dégâts matériels importants au sein de l'hôtel et retenu dans l'hôtel et environnant plus d'une centaine de personnes. De l'hôtel Splendide, les 3 terroristes ont migré vers l'hôtel Yibi sans faire de victimes supplémentaires. Acculés par les tirs des forces spéciales burkinabais et françaises, soutenus par un appui aérien des Américains, les 3 terroristes ont fini par s'abriter au sein du maquis Taxi Brousse, d'où l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale du Burkina Faso viendra à bout d'eux dans un face-à-face nourri de tirs intenses. Le bilan de l'attaque terroriste se résume ainsi qu'il suit. 30 morts tous identifiés, 3 assaillants tués, 71 blessés signalés et identifiés, 176 otages libérés, 22 véhicules consumés, 24 motos consumées, 18 véhicules endommagés par des impacts de balles, le café Cappuccino consumé par les flammes, le hall d'entrée de l'hôtel Splendide partiellement détruit, des fenêtres et des portes abîmées, le maquis Taxi Brousse criblé de balles, des portes et des fenêtres de Yibi Hôtel abîmées. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou que je suis, la compagnie de gendarmerie du Kadiogo a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, prise d'otage, détention illégale d'armes à feu de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout compte X et toutes autres infractions que l'enquête révélera par la suite. Pour la circonstance, la France, les États-Unis, le Canada, Interpol Lyon et le Niger ont offert leur aide dans l'identification des auteurs, le rassemblement des preuves, la recherche des commanditaires et autres complices.
Les investigations menées jusqu'à ce jour renforcent la thèse de trois assaillants. Sur les trois assaillants, deux présentent des traits sahéliens, tandis que le troisième de teint noir présente des traits soudaniens. Le matériel employé pour l'attaque rapproche l'enquête de la filière djihadiste, auteur de l'attaque du Radisson Blu au Mali. Toute chose qui laisse penser que le lien entre les trois terroristes et le groupe Al-Moura Bitoun de Mokhtar Bel Mokhtar est possible. Les trois identifiés révélés par Al-Moura Bitoun à travers les médias internationaux sont des noms d'emprunt, communément appelés noms de guerre, donc loin de leurs véritables identités. Aux fins d'investigation, 8 individus ont été interpellés depuis le 16 janvier 2016, 7 ont été élargis pour insuffisance de preuves et une personne est actuellement gardée à vue pour des recoupements supplémentaires. Afin d'aider à l'identification d'hôtes, de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, nous réitérons notre appel à témoins lancé le 20 janvier 2016. Tout citoyen désireux d'apporter son témoignage peut se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie de la ville de Ouagadougou que sont la brigade ville de gendarmerie de Bascuit, si derrière la mairie centrale de Ouagadougou, la brigade ville de gendarmerie de Boulmiougou, si à proximité de la Sonabi Gounguin, la brigade ville de gendarmerie de Nongroumassoum, face à l'agence Sonabel de Bendogo, la brigade ville de gendarmerie de Signoguin, si à proximité du CMA Paul 6, la brigade ville de gendarmerie de Kossiam, au pied de l'échangeur de Ouaga 2000, et la brigade ville de gendarmerie de Bogodogo, derrière Marina Market, Padoua. De nombreux dégâts matériels, 30 morts, 71 blessés et 176 otages libérés, ce sont les résultats partiels donnés par la procureure du Faso sur l'attaque du 15 janvier. Des suspicions courent sur le nombre élevé des terroristes qui auraient perpétré l'attentat. Madame la procureure du Faso, Maïsa Sérémé, des démentis. Nous avons eu à visualiser les vidéos, les caméras vidéo et les vidéos en notre possession, ce qui est toujours en cours. Nous avons vu, suivi le déplacement de ces djihadistes. Ce sont les mêmes qui étaient au Capuchino, ce sont les mêmes qui étaient à l'hôtel Splendide et ce sont les mêmes qui ont été abattus. Donc nous nous en tenons aux trois djihadistes. Ça répond en même temps à la question de ceux qui sont morts. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont les mêmes qu'on a aperçus à Capuchino, ce sont les mêmes qui ont mis le feu au véhicule, ce sont les mêmes qui se sont retranchés au niveau de l'hôtel Splendide et ce sont les mêmes qui sont morts. Toutefois, ajoute-t-elle, la piste probable de complices n'est pas à écarter, d'autant plus qu'un Burkinabé est en garde à vue pour des recoupements supplémentaires. Qui est encore gardé à vue, tout ce que je puis vous dire pour l'instant, c'est que nous avons retrouvé un lien entre les assaillants et lui. Maintenant, c'est quel est le niveau d'implication entre les deux parties que nous cherchons encore à développer, à nous faire une idée plus exacte. Voilà. Concernant son identité, permettez-nous de ne pas la dévoiler, permettez-nous de ne pas en dire davantage parce que jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. À l'heure présente, les dépouilles des étrangers sont sur le point d'être tous évacués, excepté celui d'un Américain dont le corps repose désormais à Yako. Je dois dire la majorité des corps, parce qu'aujourd'hui on me dit que les corps des Ukrainiens doivent être toujours rapatriés. Donc hier et depuis le lendemain, avec la journaliste franco-marocaine dont le corps a été le premier à être rapatrié au Maroc, s'en ont suivi d'autres rapatriements de corps. Je crois que c'est l'Américain qui a été enterré à Yako, selon le désir de leur famille.
Sinon, les Suisses ont été rapatriés hier. La procureure du Faso et les forces de sécurité d'interpeller encore une fois de plus la collaboration de tous les Burkinabés afin d'aider à l'identification de toute personne ayant un lien quelconque avec l'attentat de Ouagadougou. Quelques semaines après sa prise de fonction, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a rencontré les directeurs des ressources humaines des ministères et institutions de l'État. Pour Clément Perdouende-Sawadro, c'est une prise de contact en vue du bon fonctionnement de la gestion des ressources humaines de l'État. Dans ce département, il y a une tradition qui consiste à réunir en comité les directeurs des ressources humaines des ministères et institutions de l'État. Comme vous le savez, ce département en charge de la fonction publique a pour mission de gérer l'ensemble des personnels de l'État. Et les directions des ressources humaines dans les départements ministériels et les institutions ont la charge, en quelque sorte, d'être un peu comme les représentants de ce département en matière de gestion des ressources humaines. Quand je dis représentants, nous ne les nommons pas, c'est leur ministre qui les nomme. Mais par rapport à l'objet de leur mission, donc leur activité relève effectivement de la mission générale qui est conférée au ministère en charge de la gestion des personnels de l'État, qui est le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Nous les avons rencontrés pour la première fois, c'est une rencontre de prise de contact, mais qui nous a permis déjà de les écouter sur la manière dont ils s'acquittent régulièrement de cette mission, et également de leur dire les attentes essentielles que nous avons vis-à-vis d'eux. Selon les nouvelles mesures du président Rochmar Christian Kabore, a dit Clément Sawadgo, chaque fonctionnaire se doit d'être régulier, ponctuel et occuper son poste. En cas de non-respect, le conseil de discipline de chaque ministère devra appliquer les règles en vigueur. Le nouveau ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a rendu une visite de courtoisie au président de la commission électorale nationale indépendante CENI. Et étant ministre en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, il m'est apparu nécessaire, en échangeant avec le secrétaire d'État et les collègues, les collaborateurs du ministère, de venir rendre une visite de courtoisie au président de la CENI et au directoire, l'état-major de la CENI. Et rendre visite parce que vous n'êtes pas sans ignorer que entre la CENI et le ministère en charge de l'administration, donc des élections aussi, et il y a des relations de travail. Et des relations de travail, il était de notre devoir de venir dire que nous sommes arrivés à la tête du ministère et nous souhaitons entretenir de très bons rapports avec la CENI. Et nous restons disponibles pour des sollicitations donc de la CENI. Cette visite qui a duré environ une heure d'horloge a pour but de féliciter et encourager le staff de la CENI pour la tenue des élections du 29 novembre 2015. Et nous les avons tous félicités pour le travail remarquable qui a été fait par la CENI lors de l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives. On était fiers d'être Burkinabés après ces élections parce qu'ils ont su maîtriser mécanisme, procédure, à la grande satisfaction de toutes les populations du Burkina, des animateurs des partis politiques, des gens de la société civile et même les partenaires qui ont eu à appuyer ces élections-là. Donc, nous devions devenir en tant que nouveau responsable du ministère, de venir les féliciter, les encourager
et leur souhaiter une bonne route pour que les prochaines élections, ça soit pareil. La salle de conférence de l'hôtel de ville de Ouagadougou a servi de cadre au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure pour s'entretenir avec les partis politiques sur l'organisation des élections municipales. Avant d'aborder avec les acteurs politiques la question des élections, le ministre Simon Compaoré a fait le point sur la situation sécuritaire au Burkina Faso après les différentes attaques qu'a connues le pays. Au moins 11 éléments ont été arrêtés. Ils sont passés à la table. Et grâce aux éléments qu'ils ont donnés, ça nous a permis de pincer d'autres après. Donc, la traque se poursuit et la population collabore et collabore très bien. Si on a pu arrêter les 11 là, c'est grâce à la collaboration de la population. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour vous donner, vous qui avez des militants, nous souhaitons que vous puissiez participer activement à la sensibilisation des militants. Pas seulement à Ouagadougou, dans toutes les villes, dans les 302 communes rurales, dans les 49 communes urbaines, partout. D'ailleurs, nous avons donné des instructions au gouverneur, au haut commissaire, au préfet, au maire, au président de délégation spéciale, de prendre des mesures pour réveiller les cellules de veille et d'alerte qu'on avait dit de mettre à un moment donné dans les villages, les secteurs, les hameaux de culture, pour que rien ne nous échappe et que l'information puisse remonter à chaque fois que de besoin pour permettre aux forces de l'ordre d'opérer et de bien opérer. Nous avons été témoigner notre solidarité vis-à-vis des populations de Djibo, parce que vous savez qu'on a, dans la nuit du 15 au 16, et on a enlevé un docteur, le docteur Elliott et son épouse, des gens qui vivaient il y a de 40 ans là-bas et qui géraient une clinique qui recevait des patients venant même d'autres pays. Donc, nous sommes allés encourager les travailleurs, voir l'état des malades au niveau de la clinique, et puis regarder le sort donc des travailleurs là-bas, de la clinique. Et on a eu une rencontre avec les forces vives, les forces de défense et de sécurité, pour leur apporter le soutien ferme et leur dire, du gouvernement, et leur dire c'est que, au niveau du gouvernement, les mesures qui ont été prises à ce niveau. Au niveau des marchés qui prennent feu, là aussi, ce n'est pas des faits anodins, c'est des actes de sabotage. Là également, nous avons envoyé un message fort au niveau des commerçants et nous allons les rencontrer, mais déjà, il y a eu des rencontres à certains niveaux et ils prennent aussi des dispositions à ce niveau-là. Plus les dispositions que le gouvernement a prises pour qu'il y ait des rondes, il y ait des patrouilles à ces endroits-là. La levée du couvre-feu va permettre aux gens de s'organiser, mais également de donner un peu de souffle à l'économie. Certaines activités nocturnes avaient pris un coup, et c'est pourquoi, avec l'accord donc des forces de défense et de sécurité qui estimaient qu'on pouvait le faire, et à la demande de nombreux citoyens, bon, on a été amené à lever le couvre-feu. Donc, en invitant cependant les gens à la vigilance. Vigilance pour qu'on continue de coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Sur la question des élections municipales, le ministre en charge de l'administration territoriale a indiqué qu'il s'agit d'une question cruciale qu'il faut résoudre de façon urgente. Et il faut en parler, les municipales. Comme vous savez, dans pas mal de communes, il y a des problèmes. Et ces problèmes, par exemple, en ce qui concerne la coopération décentralisée, beaucoup de partenaires attendent qu'on fasse les élections
parce qu'ils ne veulent pas des fonctionnaires qui gèrent les communes. Voilà. Et ils veulent des exécutifs locaux élus. Bon. Et donc, ils attendent à ce que les élections aient lieu et après les élections, la dynamique va reprendre. Bon, c'est pas tout le monde qui a arrêté, mais il y a des gens qui estiment que ce n'est qu'après les élections qu'ils peuvent être rassurés que ceux qui sont là-bas détiennent une légitimité et vont conclure des accords qui tiennent la route avec eux. Voilà la nécessité qui nous amène aussi, et pour la gouvernance même au niveau de ces collectivités, dans l'intérêt bien compris des populations, il était nécessaire qu'on en parle. Bon, même si on a des problèmes sécuritaires qu'il faut régler, il ne faut pas oublier cet autre aspect. Au sortir de cette rencontre, plusieurs propositions ont été faites par les acteurs politiques. Toute chose qui a permis au gouvernement de choisir la date du 22 mai 2016 pour abriter ces élections locales. L'accord de la COP21 sur le changement climatique, quelle perspective pour le Burkina Faso? C'est sur ce thème que la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a organisé la 10e journée ouagalaise du développement. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, l'accord de la COP21 se résume en 4 choses. 1. Un objectif collectif réaffirmé par tous les pays du monde, conformément à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, de travailler ensemble à rendre notre planète vivable, c'est-à-dire à éviter, c'est l'article 1 de la Convention 4 des Nations Unies, un réchauffement du climat qui soit dangereux pour l'espèce humaine. C'est aussi un accord qui est basé sur des contributions de tous les pays du monde, des États-Unis au Burkina Faso, en passant par la Chine et l'Inde. C'est ce qu'on appelle les contributions nationales, indicatives, nationales, et qui ont été tout au long de l'année 2015, et même avant pour certaines, proposées par tous les pays du monde. C'est une troisième chose, c'est pour faire toutes ces actions qui sont dans les contributions, tous ces programmes, tous ces projets, il faut des financements. Et donc c'est un engagement de tous les pays du monde, notamment des pays les plus riches, de consacrer à hauteur de 100 milliards de dollars par an, à l'horizon 2025, un effort collectif pour aider tous les pays à s'adapter au changement climatique et à réduire, atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pour que tout ça marche, c'est une quatrième chose, l'accord de Paris, c'est une clause de rendez-vous. Une clause de rendez-vous et un dispositif de mesure de suivi scientifique, de reporting. Et donc, il y a un rendez-vous tous les 5 ans pour savoir si collectivement, dans ce que tous les pays du monde font, on est sur la voie. Il faut rappeler que cette conférence qui s'est tenue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris avait pour but de garantir la durabilité du développement économique et social de tous les pays du monde. Cette 10e journée ouagalaise vise à montrer ce qui sera fait de façon concrète en termes de coopération, de projets de développement dans tous les secteurs tels que l'énergie, l'eau, l'agriculture, etc. Le climat qui change, ça veut dire moins d'eau. Moins d'eau, ça veut dire moins de pâturage, moins d'élevage, moins d'agriculture, moins de facilité pour vivre, moins de rendement. Et c'est un énorme problème. Et donc, c'est pour identifier plus précisément, sur la base de la contribution que le Burkina Faso a transmise à l'ONU avant Paris, et qui recense une centaine de projets, que nous allons essayer cet après-midi de discuter concrètement des voies et moyens qui vont nous permettre de donner corps à un développement plus durable du Burkina Faso.
Présent à cette conférence, le ministre Batio Bassière de l'Environnement, du Changement climatique et de l'Économie verte a indiqué que la reconfiguration de son ministère dénote l'importance que les autorités placent dans la COP21. J'ai reçu au nom de mon département de mettre très bientôt en place une politique pour permettre au gouvernement burkinabé de pouvoir approcher l'ensemble de ses partenaires, bien sûr en prenant en compte les conclusions de cette COP21 pour le développement, bien sûr en intégrant les effets des changements climatiques et bien sûr en faisant aussi au maximum l'économie possible. Voilà pourquoi nous avons également l'économie verte qui n'est pas c'est une chose également dont il faut en tenir compte dans la gestion de nos ressources. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement attend beaucoup de ces ministères, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons un ministère de l'environnement, de l'économie verte et du climat et du changement climatique. Tout en rassurant les organisateurs des JOD de l'engagement du Burkina Faso, le ministre a invité tous les États signataires de cet accord à prendre à bras le corps les questions de changement climatique. Le vendredi 29 janvier 2016, Sa Majesté le Moro Naba a accordé deux audiences. La première personnalité à être reçue est celui du ministère de la Culture, Tahirou Bari. Au dit de ce dernier, en tant que nouveau ministre, il est bon de venir auprès de Sa Majesté, chef suprême des Mossi, pour recevoir des conseils et pouvoir bien mener sa mission. Le Moro Naba est un digne dépositaire des valeurs traditionnelles et culturelles de notre pays. Et j'ai estimé que ces précieuses recommandations, ces précieux conseils, ces bénédictions étaient nécessaires pour nous permettre de réussir la noble mission qui nous a été confiée. Et j'ai eu également l'opportunité d'assister au faux départ du Moro Naba, qui est un rite qui fait partie du patrimoine culturel immatériel. C'est avec émotion que j'ai assisté à ce rite et je demande également à tous les Burkinabés de s'intéresser à nos pratiques culturelles, de s'intéresser à tout ce qui rentre dans le cadre de notre patrimoine. Cela fait partie de notre âme et nous n'avons pas raison de perdre notre âme dans notre marche vers la modernité. Après, c'est celui du ministère des Sports et des Loisirs qui n'en dira pas d'autre sur l'objet de sa visite, si ce n'est que de venir le voir et demander son soutien et sa bénédiction. Le Moro Naba, c'est une autorité morale et qui intervient beaucoup dans le domaine du sport. Donc il était, à mon sens, important de venir le voir et de me présenter à lui pour tout ce qu'il fait pour le sport, de continuer donc à nous soutenir, à nous supporter. Vous savez, quand nous avons des problèmes, on a vu par le passé, donc c'est le Moro Naba qui arrive à décrisper donc la situation. Donc il fallait qu'on vienne le voir hein, pour qu'il continue donc de nous soutenir et puis qu'il nous bénisse donc notre ministère pour qu'on puisse comme toujours aller donc de l'avant. Voilà donc l'objet donc de notre visite ce matin ici. La substance de ce que le Moro vous a dit. Bon, il nous a formulé donc des bénédictions, des encouragements, qui sera toujours là pour nous soutenir. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est un passionné aussi du sport. Donc, il est de bonne volonté. Donc, ses idées aussi nous intéressent. Donc, il fallait l'écouter. Et je pense qu'il nous a prodigué donc des conseils. Et je pense que nous en tiendrons compte pour pouvoir gérer donc notre ministère. Sa Majesté le Moro Naba Bangogo, chef suprême des Mossi, grande croix de l'ordre national, a salué cette initiative et s'est dit disponible à tout moment de les prodiguer des conseils pour la bonne marche au sein de leur ministère. La grande famille des artistes burkinabés a procédé au lancement officiel du projet Burkina Debout sous le haut lot du Moro Naba Bongo. Une minute de silence a été observée à cet effet à la mémoire de nos martyrs et des victimes des récentes attaques terroristes qui ont secoué notre pays. Dans la société, chacun joue son rôle.
le rôle de l'artiste, c'est de donner, de semer la joie et de donner la confiance à ce peuple qui était dans une grande lancée, que les gens sont venus de nulle part, je ne sais pas d'où ils sont venus, des terroristes sont venus pour nous couper dans notre élan de dire merci à Dieu. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, nous en tant que les hommes de la culture, nous en tant que des musiciens, nous en tant que ceux qui font des films, c'est-à-dire les managers, les producteurs, nous ne pouvons pas nous asseoir et puis aussi ne rien faire. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de faire, d'organiser quelque chose pour inonder la ville de Ouagadougou des messages de paix et de tolérance et pour quitter un peu la population, donc quitter dans la peur et puis continuer à rester debout. C'est pour cela que le projet s'appelle Burkina Debout, toujours debout. Sa Majesté le Roi suprême des Mossé, comblé par cette initiative du monde culturel, a prodigué des conseils de vivre dans l'unité, de s'éloigner de la cupidité et d'être des bons éducateurs pour bâtir notre nation. Nous avons eu même au-delà de ce que nous attendons, parce que Sa Majesté nous a donné tous les conseils, nous a donné toutes les bénédictions. Je crois qu'il a même lancé un appel à tout le monde, tous ceux qui peuvent soutenir ce projet, de le soutenir. Et ce projet, c'est quoi? C'est des portières, plusieurs portières qui vont animer toute la ville de Ouagadougou. Le rendez-vous est donné le 7 février à 17h à la place de la Révolution pour le grand spectacle des artistes avec des messages d'amour et de paix afin que l'obscurantisme, l'intégrisme et le terrorisme soient boutés hors de nos frontières. Former des leaders capables de contribuer au développement socio-économique et culturel du pays est la mission de l'Université chrétienne Logos de Ouagadougou. Well, we want to see individuals impacted. Nous voulons impacter les uns et les autres, mentalement, spirituellement, moralement. Nous voulons profondément toucher le cœur de cette génération. La plupart de nos étudiants sont les uns et les autres, ils étaient intéressés à aller soit aux États-Unis, soit en France pour leur éducation. Et de ce que nous avons fait, nous avons assis cette structure-là afin de pouvoir les aider à prendre une éducation de qualité sans avoir besoin de se retirer en Europe. Et les degrés ou bien les diplômes qu'ils vont gagner ici, s'ils viennent chez nous au Canada ou bien aux États-Unis, on reconnaît ces documents, ces diplômes-là. Et donc, ça donne une exposition et une qualité. Ça quantifie et ça qualifie l'éducation, le niveau d'éducation que les gens reçoivent ici à Logos. Et pour cette 7e édition, ce sont 25 étudiants qui reçoivent leur parchemin, dont 7 étudiants pour le diplôme en bac théologie, 13 pour la licence et 5 masters en théologie. Et la 7e promotion, il s'agit de la promotion des sentinelles. Disons que ce soir, nous sommes réellement réjouis de ce que le Seigneur nous fait la grâce de nous appeler sur ces champs. Comme je le disais dans mon mot, les temps sont durs et on a besoin de sentinelles qui se tiennent à la brèche. Et notre prière, c'est que le Dieu qui est tout-puissant aiguise notre vigilance et que l'Éternel, qui est le Dieu de toute victoire, nous amène à nous tenir constamment à la brèche pour pouvoir aider dans la prière, pour que ce pays-là continue de vivre dans la paix et pour que le peuple de Dieu ait toujours les loisirs de pouvoir le célébrer dans sa paix. Le pasteur Samuel Yamego et l'Hollandais Yann Locke ont été élevés au rang de docteur honoris causa à titre de reconnaissance pour leur participation active dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Honoris causa, ça veut dire qu'on lui donne une distinction parce que c'est quelqu'un qui est honorable, on reconnaît ses honneurs, on reconnaît sa place dans la société. Je suis heureux. J'allais dire que même cette distinction, j'en suis un peu grisé. Mais seulement ce qui m'importe le plus, c'est que ça serve de signe à
aux plus jeunes, de savoir qu'on reconnaît quand même votre engagement, votre dévouement. Et quand on s'engage pour le Seigneur et que les autres le reconnaissent et veulent vous élever, cela donne beaucoup de joie. Et ce que je souhaite, c'est que cela incite encore les jeunes à faire mieux leur travail. Le président d'administration de l'Université de l'UCLO, jugeant le bilan positif après des années passées à la tête de l'Institut, mais note toutefois une difficulté majeure. C'est les inscriptions. Parce que les gens pensent que c'est seulement une école religieuse. Alors que ce n'est pas vrai. C'est une université comme toutes les universités. Mais l'aspect religieux est venu avant. Et les autres aspects comme l'économie, le droit, les finances et tout ça, et aussi même la médecine, parce qu'on a la possibilité d'ouvrir la médecine. Tout cela est venu après. Et donc on va par étapes. Et donc malheureusement les gens pensent que c'est seulement pour les hommes religieux et qu'on ne peut pas venir. Je crois que c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut venir. Trois SPON ont par ailleurs été distingués. Le docteur Moïse Napon et les deux récipiendaires élevés au titre de docteur honoris causa ont reçu des trophées et des attestations pour avoir œuvré dans des organismes non gouvernementaux. Composé de 7 membres, ce nouveau bureau prend désormais les rênes du conseil exécutif des églises des assemblées de Dieu pour la conduire durant 3 années. Ils ne sont pas des inconnus du monde ecclésiastique, c'est presque les mêmes membres de l'ancien bureau qui reviennent à la charge. Le révérend Michel Ouedraogo prend la tête du conseil avec 1649 voix obtenues au premier tour, soit 79,85%. Il est suivi de son vice-président, le docteur Philippe Ouedraogo, 1550 voix, soit 74,09%. Le poste de secrétaire général est toujours occupé par le docteur Étienne Zongo, avec 1683 voix obtenues, contre son adjoint, le docteur Saba Salam, 1668 voix. La trésorerie générale sera désormais dirigée par le pasteur Jephté Sawadogo, qui était par le passé le trésorier adjoint. La seule personnalité nouvelle de ce bureau est le pasteur Enoch Yamego, qui appuiera le pasteur Jephté en tant que son adjoint. Avec 758 voix, soit 82,35%, le docteur Jean-Baptiste Rwamba demeure membre du nouveau bureau. Il faut préciser que le vote a eu lieu le samedi 23 janvier de 8h à 19h30. De l'avis du président de la commission vote, le pasteur Moïse Sawadogo, tous les 3232 pasteurs présents au 45e conseil général étaient tous à la fois des électeurs et éligibles. Il a par ailleurs salué la patience et l'esprit dans lequel le vote s'est déroulé. Le vote des membres du conseil exécutif des assemblées de Dieu du Burkina Faso est très particulier en ce sens qu'il n'y a de candidats au préalable. L'amendement de la nouvelle constitution n'a pu s'effectuer durant la rencontre, mais cela se poursuivra dans chaque région. Par ses impositions de main, le nouveau bureau du conseil part fortifié pour accomplir leur mission. Le révérend Michel Ouedraogo revient à la charge dans la gestion du bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et ses premiers mots à l'endroit des fidèles est l'union du corps de Christ. Je prie que le Seigneur, dans toute sa grâce, crée vraiment une unité en notre sein pour qu'on puisse avoir une seule vision afin de pouvoir travailler et œuvrer au salut des âmes. Élu au premier tour avec 1649 voix, il compte sur la collaboration de tous pour bâtir une église aguerrie pour le bien de la jeune génération. Et nous allons nous focaliser sur la vie spirituelle encore, parce que cette église, on parle d'église. Et quand on parle église, on parle
réellement des œuvres de foi. Donc nous allons nous focaliser sur les œuvres de foi, sur le spirituel, pour que l'Église alors, continue à grandir. C'est pourquoi le thème de cette année, c'est alors, bâtir une Église mature pour la génération à venir. Et si réellement on veut avoir une génération eh bien, qui est bien bâtie, il faut qu'on reste fondé sur nos fondations et qu'on soit fort. Donc nous allons encore travailler dans ce sens. Et après cela, nous verrons maintenant le social. Pour ceux d'entre eux que nous avons pu toucher, les chrétiens promettent de soutenir le bureau actuel et espèrent un grand élan dans l'évangélisation de tout le Burkina Faso. Le nouveau bureau qui est là, je pense que c'est l'esprit qui a poussé les gens à les voter. Et nous allons les soutenir. Et c'est un bureau vraiment fort. Et nous savons que Dieu, en tout cas, est au-devant d'eux et ils vont vraiment faire l'œuvre comme il le faut. Voilà. Nous les soutenons dans la prière et nous savons qu'avec cela, avec la prière et le conseil des uns et des autres, en tout cas, l'Église du Burkina Faso va toujours aller de l'avant. Nous attendons pour qu'il y ait beaucoup mieux, beaucoup de changements, beaucoup de réflexions, beaucoup de regards sur la bonne marche de l'Église. Surtout, comme je viens de dire, que pour que tout le monde au Burkina, tous les villages au Burkina puissent toucher par l'Évangile. Alors ça, c'est quelque chose qui nous touche à cœur, surtout l'éducation de la jeunesse. C'est grâce à notre soutien dans la prière que cette équipe peut avoir du succès. Donc, nous allons continuer à les soutenir dans la prière afin qu'ils aient toutes les ressources nécessaires. Et ce que nous attendons d'eux, c'est d'être toujours à l'écoute de la voix du Seigneur et puis aussi à l'écoute du peuple pour pouvoir accomplir au mieux ce que le Seigneur et ce que le peuple attend d'eux. C'est une équipe que j'ai vue grandir. Je les ai connus tous quand ils étaient jeunes. Je connais leur ardeur, leur engagement. Et j'ai confiance quand même que ça ira encore davantage. Ils feront encore mieux. En tout cas, c'est une équipe que personnellement j'ai connue. Chacun dans sa jeunesse et chacun selon ses capacités. Et c'est une équipe aussi qui sait écouter. C'est écouter les conseils et nous sommes aussi prêts à les soutenir et à les suivre. On se souvient que les missionnaires qui ont apporté l'évangile au pays des Moussé étaient originaires du pays de l'oncle Sam. Et pour cet événement, le responsable de la mission chrétienne américaine en Afrique souhaite travailler davantage avec l'église du Burkina Faso pour répandre l'amour de Christ partout en Afrique. L'église des Assemblées de Dieu des États-Unis vont travailler en partenariat avec l'église des Assemblées de Dieu du Burkina. Et dans les lieux les plus difficiles, comme au Tchad, nous sommes déjà là-bas ensemble. Et nous sommes aussi au Sénégal ensemble, jusqu'à la frontière de la Mauritanie. Et nous pensons que nous allons nous accompagner dans une synergie d'action. Nous n'allons pas vous laisser, nous allons travailler ensemble pour agrandir le royaume de Dieu. Ce sont plus de 3000 pasteurs des assemblées de Dieu venus des 13 régions qui ont pris part à ce 45e conseil général. Tous répartent imprégnés de la parole de Dieu, dont les deux principaux thèmes étaient « Bâtir une église mature pour les générations à venir, la place et le rôle de l'enfant dans une église mature ». Des jours de paix, des jours de paix, des jours de paix, des jours de paix d'amour. Bon, je suis très content. Tout d'abord que le conseil a eu lieu et de voir cette grande foule des pasteurs et des membres des églises qui sont venus pour soutenir cette conférence, ça me réjouit le cœur. Et je suis convaincu qu'il y a un bon avenir pour l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso, vu leur vision
de toucher tous les coins du pays qui n'ont pas encore été touchés et aussi de continuer d'envoyer des missionnaires hors de Burkina comme le Tchad et d'autres pays que nous pouvons citer. Alors ça me réjouit beaucoup le cœur. Et je bénis Dieu pour cette église et pour l'œuvre qui se fait ici. Nous avons d'abord été très heureux du thème. Quand on pense à l'église de demain et quand on veut remettre à la jeune génération une église mature, c'est vraiment un bon thème, un bon sujet. Et tous ceux qui ont commenté le thème ont très bien fait. Et je pense que nous retournons vraiment défiés et que nous pensons qu'il y aura un impact à notre retour dans chaque église locale. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour les orateurs, nous rendons grâce au Seigneur pour le thème. Vraiment, j'ai eu une belle impression de voir que l'église des Assemblées de Dieu a mis l'accent sur l'éducation des enfants. C'est l'église de demain, comme on l'appelle couramment. Et effectivement, quant à nous autres, on s'abaisse, on descend, on va vers la retraite où la vieillesse s'avance. Nous voulons qu'il y ait la relève. À l'élève, du nouveau de la jeunesse et surtout les plus jeunes aussi. Alors si on en tout cas met l'accent sur les éducations et si on pense aux enfants, si les enfants sont bien encouragés et les jeunes surtout, ils vont en tout cas essayer d'emboîter nos pas et pour que l'évangile puisse aller toujours en avant. Voilà. On rend grâce à Dieu pour la tenue de ce conseil et vraiment nous avons été bénis par différents orateurs qui nous ont apporté des messages vraiment poignants. Et nous remercions Dieu pour cela. Oui, la participation aussi, en tout cas tout le monde était content parce que beaucoup de gens sont venus. On a eu peur, mais eu plus de peur que de mal, quoi. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous espérons que les années à venir, en tout cas, Dieu va encore bénir et ça serait plus grandiose que cela. Et aujourd'hui encore, nous avons encore plus réussi, vraiment. Même si on était découragé, maintenant on prend du courage et pour aller de l'avant. Vraiment, on est très contents.